Introduction que les Ivoiriens de la diaspora, depuis quelques temps, depuis des années, sont vraiment organisés pour jouer au football. Et puis aujourd'hui, nous sommes à Camberwell, Camberwell qui est un quartier de Londres, dans la commune de Saddock. Et donc, nous sommes ici pour suivre cette équipe qui est en préparation pour un tournoi qui va avoir lieu à Paris. Alors, nous sommes avec Sébastien Niaoré. Sébastien Niaoré, c'est le responsable de cette équipe-là. On va lui arracher quelques petits pour nous dire comment la préparation se passe. Ben, pour l'instant, tout va bien. On réunit du monde chaque semaine. Au niveau de la condition physique, on va y arriver d'un moment à l'autre. Ben, les Parisiens, ils peuvent se rassurer qu'il y a un bon groupe qui va venir et on va leur donner du fil à retordre. Alors, vous êtes confiant que, avec les éléments que vous avez, je reconnais Arsène Obou, je reconnais Obou Pâté. Vous pensez qu'avec tous ces éléments, ces réseaux du stade d'Abidjan, tous ces éléments-là, peuvent quand même conquérir ce trophée à Paris? Nous avons un groupe assez équilibré qui est fait de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Là, vous venez de le dire, Obou Arsène est là quand même, il n'est pas présenté champion d'Afrique 92. On a Obou Pâté Gervais qui est là, ancien gagné des buts que tout le monde connaît. J'ai aussi d'autres éléments, j'ai Yves Roy qui a joué en équipe nationale espoir de France et Yves Roy qui est juste derrière là avec le maillot de l'Angleterre. On a des jeunes talents qui sont venus fraîchement de la Côte d'Ivoire et qui essaient de nous donner du nouveau souffle. Donc à Paris, je pense que
on aura notre mot à dire. Je pense bien que c'est un tournoi sur une journée de près de 16 équipes et il faut compter avec l'Angleterre. Nous avons de l'expérience, nous avons un passé, nous avons un bagage quand même qui est assez, qui peut peser lourd dans la balance. Et donc, les Samabuo, tout ce monde qui est à Paris, ils peuvent compter sur nous pour leur donner du fil à retordre. En dehors du micro, tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a une certaine démotivation, qu'il y avait des joueurs comme Brendou Janot qui étaient là. Alors, comment vous allez vous organiser pour ramener tous ces joueurs-là? Parce que moi, je ne savais pas honnêtement, c'est la première fois que je me rends compte que les Ivoiriens sont organisés et qu'ils jouent au football. Alors, comment vous allez donner quand même du tonus à cette équipe pour que les lendemains soient vraiment meilleurs? Mais cette équipe existe depuis environ 1994. Hein. On a joué dans un championnat régulièrement ici en Angleterre. Et on se vante d'avoir joué sur le stade mythique de Wembley le 19 novembre 1999. Dans un tournoi international de Ombro, organisé par Ombro. Et si j'ai bonne mémoire, nous avons joué contre une équipe qui était venue de la France, Poitiers. On avait des joueurs de talent, les Youblé Francis, les Touré Souliman, les Niaye Florent, les Brendou Janot et autres. Brendou en ce moment, il est à vacances. Je dirais plutôt qu'il est en mission de détection au niveau d'Abidjan pour nous ramener encore de jeunes talents. Ouais. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour garder cette communauté une et indivisible. Et c'est ça le point que nous essayons de souligner. Nous sommes une communauté, oui, on a connu la crise en Côte d'Ivoire, mais dans le cadre du sport, nous dépassons tout cela. Nous avons des jeunes joueurs de tous les bords politiques, de tous les bords ethniques, et nous sommes une communauté indivisible. Est-ce qu'il y a des conditions pour appartenir à cette équipe des éléphants là? Ah non, on a recruté, hein, voilà, ça c'est un Anglais. Ouais. C'est un Anglais qui est avec nous depuis quelques semaines. Voilà. Et ce qu'il faut avoir, il faut être sportif, c'est tout. Il n'y a pas de conditions spécifiques. Il faut être sportif, il faut savoir taper dans le ballon. Et puis voilà, tout va bien. Voilà Salif, le gardien qui nous avait déserté, ouais. Hein, qui reprend les entraînements aujourd'hui, Salif. Donc tout va bien. Tout va bien. On essaie de réunifier notre équipe. Voilà. Voilà. Merci à Sébastien Niaoré. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va vous voir tout à l'heure, mais vous êtes bien équipé, hein. Vous êtes vraiment bien équipé. C'est la meilleure chaussure de football. Il faut voir la Copa. La Copa mondiale. Voilà, c'est la Copa mondiale. Tu peux rien contre celle-là. Elle a joué à Wembley le 19 novembre 99. c'est désormais une pièce de musée. Voilà. Je joue avec une fois par an. Ah oui. Et là, comme je savais que vous serez là aujourd'hui, je l'ai porté. Ah voilà, okay. nous sommes le compte à rebours de la Coupe du Monde a commencé 2014 au Brésil. Oui. Alors, quels sont vos pronostics, Sébastien? Ben, naturellement, la Côte d'Ivoire. On est dans un groupe qui est prenable. On est dans un groupe où on devait normalement accéder au deuxième tour de la Coupe du Monde. Quand on a des joueurs comme les Yaya Touré, les Didier Drogba, les Gervinho et j'en passe, il n'y a pas de raison qu'on reste au stade du premier groupe avec des équipes comme le Japon, la Colombie et la Grèce, je crois. Ouais, Grèce, donc, je crois que je suis confiant, mais seulement et seulement si ces joueurs-là pouvaient nous donner ce que nous attendons d'eux. C'est-à-dire un peu de ce qu'ils donnent dans leur club individuel. Ouais. S'ils donnent un peu de cela, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au deuxième tour. Voilà, merci bien, Niaoré, Sébastien. Le message, il est lancé. Les gens de Paris sont avertis. Voilà, le pronostic est clair. La Côte d'Ivoire qui regorge des joueurs de talent, une pléthore d'individualité, une pléthore d'individualisme. Je pense que la Côte d'Ivoire, pour cette Coupe du Monde en 2014 au Brésil, elle a son mot à dire. Les éléphants ont leur mot à dire. Rapidement, tu me suis avec la caméra. Faut me suivre avec la caméra. Je vais rapidement obtenir quelques mots d'un joueur que vous connaissez, voilà. Un joueur que vous connaissez depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, le stade Félix Flobogny. Je suis avec Arsène Obou. Voilà, Arsène Obou qui, je vais lui demander, il va certainement dire à ce public-là, à tout le monde, à nos téléspectateurs, comment ça s'est passé ce transfert de l'Africa à la SEC d'Abidjan? Non. Très très grand footballeur, on vous a fait de l'Africa Sport à la SEC d'Abidjan. Aujourd'hui vous êtes en Angleterre, alors comment se passe au niveau là, pendant le maintien de la forme? Bon, comme vous avez constaté, on se retrouve ici tous les dimanches. Pour maintenir la forme, pour ne pas vraiment prendre du poids, tout ça, pour se retrouver entre amis, je pense que c'est une bonne chose. Au niveau de santé, ça nous apporte beaucoup. Je conseille à tous mes amis de venir. Aujourd'hui, vous constatez vous-même par vous-même que voilà, le terrain n'est pas trop plein, il n'y a pas assez de joueurs.
C'est pas pour nous, en fait, c'est pour tout le monde, c'est pour la santé de tout le monde. Ouais. Voilà. Voilà, je crois que d'ici la semaine prochaine, vous vous déplacez à Paris pour participer à une compétition. Comment vous pensez que vous pouvez aborder cette compétition-là? Est-ce que l'équipe est prête? Elle est prête pour affronter les gens de Paris? Bon, je sais pas. Je sais pas comment eux là-bas ils vivent la situation. Ouais. Nous ici, on se débrouille tant bien que mal. Bon, vous voyez, il y a 2 semaines. À cause des intempéries, oui. On n'a pas pu s'entraîner. Oh, ouais. Bon, on fait un mal, on fait avec, ce qui est sûr. Tout à fait, ouais. Voilà, on ira à Paris pour se battre pour l'Angleterre. Ok, d'accord, merci bien. Ouais. Merci à Arsène Obou d'avoir répondu à nos questions. Je vais aller vers un monsieur qui a porté les gants. Il a porté les gants. Oh, c'était le club d'Abidjan, j'étais l'homme de la parade. Obou Pate Gervais, il est ici avec les Ivoiriens. Il ne gardera pas les buts, il va jouer avec les pieds. Alors, Obou, comment se passe la préparation pour ce match à Paris? D'abord, c'est la retrouver avec les amis depuis Paris, ça fera une fête. C'est tout. Ce qui est important, c'est faire partie de la santé aussi. Ouais. Ouais. Alors, Pate. À Paris, vous gardez les buts ou vous allez jouer au pied? Difficile question. Hein? On verra. Voilà, merci à Obou Pate, il fait les deux. Voilà, donne-moi, suis-moi le micro. Notre ami, le roi. Roi, Yves Roy. Yves Roy, c'est un Parisien. Ouais. Qui est venu ici en Angleterre comme tout le monde. Il a été footballeur ici, grand footballeur. Il a joué à quel club déjà? J'ai joué à New York, qui était en deuxième division, qui était le club à Abidi Pelé dans le temps. C'est l'équipe où Abidi Pelé a joué avant d'aller à Marseille. Ouais. Donc j'étais là-bas, et c'est de là-bas j'étais en équipe espoir de la France. Ah oui. Donc voilà. Et j'ai fait des débuts aussi à l'Africa, mais j'ai seulement fait un match à l'Africa, et puis je suis monté en Europe. Donc on ne me connaît pas trop, mais dans les communautés en Côte d'Ivoire, on me connaît. Ouais. Dites-moi Ezobio, ça suffit. Ok, d'accord. Merci Ezobio, vous n'allez pas Ezobio. Je crois que vous préparez à une compétition à Paris. Certainement la semaine prochaine, vous allez vous rendre à Paris pour cette compétition-là. Ouais. Pensez-vous que l'équipe là, elle est prête là? Et l'Angleterre, c'est pas comme la France. Ici, il y a le temps n'est pas comme en France. Il y a des fois, il pleut beaucoup ici. Donc, on n'a vraiment pas le temps de nous entraîner comme il faut en France. Mais bon, on verra bien sur le terrain. Moi, je m'appelle Mathieu Cerezo. Bon, tous les sadistes me connaissent. Ouais. J'ai fait ma formation depuis l'enfance. J'ai fait minime, cadet, junior au Stade d'Abidjan. Bon, je suis aujourd'hui en Angleterre. Je suis avec mon ami Innocent. Bon, comme moi j'habite auprès du terrain, nous organisons, je suis là, Innocent et moi nous avons négocié pour qu'on ait le terrain, pour que quand même on s'entraîne. Donc après, toutes les séances d'entraînement, on va chez moi à la maison, j'ai une cour, nous nous retrouvons. Donc en ce moment on se prépare pour la France, donc dans ce sens vraiment, il n'y a pas de problème. Tout c'est pas très bien. Si Innocent travaille, il n'est pas là, bon, tu vois, il laisse la tâche avec le frère Sébastien. Donc tout c'est pas très bien. Donc j'invite tout le monde pour venir aux entraînements pour le tournoi de France. Moi c'est Théodore Gouli, mais plus communément les gars m'appellent Théo Billy. Je suis venu de Birmingham. C'est là-bas que je réside. Je viens souvent à Londres. J'habitais à Londres avant de partir à Birmingham. Et là, je suis venu dans le cadre du tournoi qui va se passer à Paris avec les anciens de Paris. Donc là, je suis venu retrouver les frères avec qui ils vont s'entraîner par rapport au tournoi. Quoi. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que je suis là ce matin. Et je dis bien les choses à tout le monde et dis aux Parisiens que nous, on arrive là-bas. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Je demande à tous les frères de faire un effort pour venir aux entraînements pour qu'on soit prêt par rapport au tournoi. C'est très important qu'on soit en jambes parce que les gens de Paris sont prêts. Voilà, donc il ne faut pas aller décevoir les gens là-bas. Donc voilà, merci. Parce que, il faut s'entraîner parce que de l'autre côté là, en France quand même, eux s'entraînent chaque week-end. Parce qu'en Angleterre, notre système de vie ici, les week-ends on travaille en France, ils ont d'abord des grands joueurs qui jouent dans la liste et ils s'entraînent chaque week-end. Je passe par le vieux CI. Il y a Charles Breca, Le Feu, il y a Nyandou Constant, il y a Samabo qui est le président joueur, il y a Coloco, ils sont tous des entraîneurs, il y a Lagolona, le président de Lago Patrice,
et il y a tant d'autres. Ah, okay. Donc je lance l'appel à tous les frères qui sont à Paris. Vous qui avez fait Londres, parce que nous on va en Angleterre, on a besoin de femmes comme garçons. Si vous avez déjà fait Londres, venez nous supporter parce qu'on a besoin de supporters. Vous avez la liste déjà comme les Samabo, comme les Baka Koloko, les Lago Leona là. Si vous ne supportez pas, vraiment on ne pourra pas tenir. Donc je lance, je vous laisse un appel. Frères qui nous connaissez, qui connaissent les Jeannot, les Sébastien, Yaoré, tout le monde, pardonnez, venez nous supporter parce qu'on a besoin de supporters. Femmes comme garçons. Si déjà vous avez fait Londres, venez nous supporter pour qu'on puisse faire face à cette équipe française là. Toute la diaspora ivoirienne invitée, tous ceux qui ont vécu, surtout tous ceux qui ont vécu en Angleterre. Hein, venez nous supporter, on vous invite. Salut tout le monde, moi c'est Chipper Inter, référence à London comme vous savez. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour garder la forme, jouer un peu au foot et se préparer pour le tournoi qui se passe bientôt. J'invite toutes les communautés ivoiriennes en Europe pour participer à un tournoi. Donc nous, l'équipe de l'Angleterre, on s'entraîne, garder la forme et aller faire plaisir un peu. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne après tout. Donc Chipper Inter, référence. Je vous salue, moi c'est Didier Anderson Zawi. Je fais partie des Ivoiriens de Londres et aussi parmi des jeunes joueurs de Londres. Et pratiquement, je suis ici parce que là, il y a un grand tournoi qui se prépare sur la France. Donc j'aimerais aussi lancer cet appel, c'est-à-dire nos grands frères d'ici, de Londres, lorsque nous allons arriver sur Paris, vraiment, que ce soit les femmes, des enfants, des jeunes filles, comme des vieilles mères, les grands frères, tout ça là, venez vraiment nous supporter parce que peu importe le résultat après le match, on va faire un grand show là-bas. Donc on a vraiment besoin de vous pour qu'on puisse faire ce show-là. Vous voyez le regroupement des Ivoiriens dans le mouvement de chauffement, quelques échauffourées, avant le début de réalité, le début des hostilités. Voilà, c'est un petite foulée, voilà. Tout le monde est là, voilà. Petite foulée de décrassage avant les grands événements, l'événement qui va se passer à Paris. Et donc on souhaite bonne chance à tous les Ivoiriens, à tous ces éléphants qui sont là, et nous espérons qu'ils vont nous ramener la coupe. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre programme, à la fin de notre reportage. On est venu voir les Ivoiriens de la diaspora s'entraîner, voilà. Je crois que le score au moment où nous allons quitter est de 3-1, je pense bien. Les Ivoiriens quand même, qui certains parmi eux ont quand même encore le talent, ils sont certainement fatigués, il n'y a plus de souffle, mais la technique, le toucher de ballon, il est là. Les joueurs comme Arsène Obou, comme Obupaté Gervais, comme Roy et autres qui sont là. Demain, je crois qu'on va être ici. Demain, on va être là. Demain est férié ici en Angleterre. On aura l'occasion de leur soutirer encore des mots en attendant le match de Paris. Merci, au revoir et encore au revoir. Merci de votre attention. Et puis, je ne manque pas de souligner la présence du chef de production, Alexis Beau. Le grand Alexis Beau. Voilà, toujours là. Dans son objectif, tout est saisi. Merci encore une fois. Au revoir.